avec la collection Time of Reflection. Je vous montre. J'espère que t'es pas trop près. Voilà. Le Crafoclock. Voilà. Ou celle qui vaudrait mieux, c'est la collection de la petite jeune fille. Et vous voyez, les tons, ils sont très doux. Et je trouvais que ce petit moutard trouille comme ça donnait un petit peps à la collection. Vous voyez? C'est très très doux, très printanier. Enfin, moi je trouve ça très poétique. Ça c'est les planches de découpe. J'ai adoré les fleurs de magnolia pour ceux qui connaissent. C'est des fleurs de magnolia, il y a des plumes, il y a des papillons. Enfin oui, il y a toutes sortes quoi. Des petites graines, il y avait beaucoup de ronds. Moi j'ai pris que par 15-15, donc les ronds sont très très petits. Donc l'album est fait avec tout le paquet de 15-15. Et comme vous voyez, il me reste pas grand chose, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, c'est les planches à découper. Ça, j'en ai pris deux, par contre, je vous dis d'avance. Il m'en manquait pour terminer la couverture et tout ça. Donc voilà. Alors, ça, c'est les petites fermetures. Mon petit défi de Sylvie. Sylvie a rentré ces petites fermetures-là. Moi j'ai flashé parce que je ne connaissais pas quand elle m'a montré le fait qu'ils sont tout simplement mis comme ça. Sauf que normalement c'est avec deux petits plops comme ça qui sont prévus pour et ils ont bien inséré le truc dedans. Moi j'ai pas eu envie d'acheter tout le paquet de petits plops pour faire un seul album en fait et utiliser une seule fois cette fermeture là on va dire. Donc j'ai fait le système d'un bête élastique. Vous voyez ? Voilà. Par contre, l'élastique, il fait tout le tour de l'album. Vous voyez? Il passe comme ça. J'ai utilisé deux couvertures de Crafoclock. Donc, celle-là de la collection même. C'est la 33, je crois, de mémoire. Et la rose à petits pois, que vous voyez là. Ils sont géniaux, ces couvertures. Franchement, j'adore. J'adore. Vous voyez, là, je suis venue jouer avec les petits die-cuts. Couverture est toute simple. Là, j'ai mis des petits coins. J'ai fait, en fait, mon élastique caché ici derrière. On le voit pas, mais il est caché ici derrière, mon élastique. J'ai utilisé une petite chaîne et une petite clé de la boutique. Je suis venue masquer mon vilain trou, parce que le trou est pas beau. Avec, donc, la chaînette. Vous voyez, elle bouge pas beaucoup. Elle est vraiment bien tenue. C'était tout juste pour mon œillet. Des petits tags de la collection. La petite ficelle, c'est du calendrier de l'Avent. Les petits pompons, c'est ceux-là. Ils sont gris avec des petits fils dorés. Ils sont super beaux. Voilà. Donc les petites chaînettes. Je voulais utiliser celui-là. Vous voyez que ça va, mais en fait, j'avais assez avec ce que j'avais là. Donc je ne l'ai pas mis. Mais je suis restée dans les tons argentés, malgré que le papier est très doré. En fait. Donc voilà. Ah, c'est pour ça. L'alphabet ne vient pas de la boutique. Ça, par contre, ça vient pas de la boutique. J'avais rien qui allait en titre de la boutique, donc j'ai pris dans ce que j'avais. C'est un alphabet que j'ai acheté dans un magasin pas cher il y a très très longtemps. La petite étiquette en plexi, ce sont les florilèges. Hop. Je vais encore vous montrer. Donc, florilège, j'avais sorti ça en rose, en mint et en blanc. Je sais pas si Sylvie en a encore, mais enfin bon, ça vient de la boutique. Voilà. Ça c'est pour les petites décors. Un bête petit brat qui n'y a pas de la boutique. Ça c'est tous les die cuts. Ça c'est du bête, un bête livre. Je mets bien le contrat justement pour adoucir. Voilà. Bon, j'espère que je ne serai pas trop hors caméra. Bon, je vais d'abord vous montrer la structure alors. Donc, ça sera bas. Vous voyez, montrer sous côté. Pour l'instant, il est légèrement vers en bas parce qu'il n'y a pas les photos dedans. Mais vous allez voir, avec les photos, il va revenir droit. C'est prévu pour. Ben, je vais vous montrer la structure comme ça. Donc, vous voyez la structure comment c'est. Hein, c'est un AU. Sauf que l'album est dans ce sens-là. Et il peut tenir tout seul tout droit. Quand il est fermé, évidemment. Là, je ne l'ai pas fermé, mais bon, il tient tout seul tout droit. Je vous le dis d'avance. Voilà, bon, je vais le mettre comme ça. Donc, hop, voilà l'album en lui-même.
et je vais vous montrer donc la partie en bas. Vous voyez. Voilà. J'y suis venue bêtement en fait. Je jouais avec les deux couvertures parce que j'avais pas envie d'en prendre une troisième. Je le dis franchement. Mais bon, je mets bien ces deux couleurs et puis là avec les papiers ça va. En fait, il faut juste jouer avec les petits bouts. Donc on passe au minimum. Alors là, il faut bien réfléchir. Comment vous allez mettre vos anneaux? En fait, j'ai mis des anneaux. Puis seulement, mais j'ai dû d'abord venir. Enfin, comment dire? Comment vous expliquer ça? Donc, je suis venue mettre ma couverture à poids. J'ai fait le trou de mes anneaux. Je suis venue passer mes bras, mais la couverture ici, elle n'était pas collée partout. Les bords n'étaient pas collés. Puis je suis venue mettre la grande couverture, celle-ci, que j'ai glissé en dessous avant de coller tous mes bords partout de ma rose. Voilà, j'ai fait ça pour la partie là. J'ai fait la même chose pour la partie là. Donc c'était collé là, mais pas encore là, parce qu'il fallait venir remettre tout le système. Enfin bon, voilà, donc faut bien réfléchir avant. C'est tout. Je suis bien centrée, oui, je suis bien centrée. Donc ici j'ai joué. Ah merde. Ça, c'est quand on oublie de sortir quelque chose. En fait, j'ai plein de choses qui sèchent à côté de moi, vous ne voyez pas, mais je vous assure que c'est bordélique. Donc, je suis venue avec les papiers que je vous ai montré lors du live, les Sliver série de Glam Paper de AB Studio. Et je suis venue prendre beaucoup de là, et un petit peu de là. Je le dis franchement. En fait, ce sont les papiers, donc vous voyez à reflet, ils sont magnifiques et en fait vous pouvez les coloriser ce que vous voulez. Moi je les ai colorisés avec mes encres Distress, la Tadder est rose et la Spoon Sugar en oxyde. Vous venez bêtement passer avec vos petits mousses, vous voyez, les petits mousses rondes comme ça, moi aussi c'est pas la bonne couleur, mais voilà. Avec les petits mousses rondes, vous venez bêtement passer comme ça. C'est génial l'effet, vous allez voir. Ici, ce n'est qu'un petit mot, mais vous allez voir, c'est génial. C'est super beau. Donc, on y va. Je vais ranger tout ça. Donc, j'ai utilisé les Junk Journal. J'ai utilisé des petites découpes de dice. Là, vous voyez, donc, il y a le mot en AB et il y a les petits feuillages du bloc que je viens vous montrer. Ici, ça sera pour mettre la date. C'est un petit die-cut de la série. Là. Tout ça, je suis venue retravailler de nouveau avec 5 Distress. La Hitchcock Smoke. Voilà. Là. Vintage Photo. Pour là, avec le pochoir. C'est un pochoir AB Studio. Et le reste, j'ai tamponné à la Versafine sépia, tout simplement. J'ai fait ça pour tous mes emplacements de photos. Pensez bien que quand la photo sera là, ce sera comme ça, donc on verra qu'un petit peu les bords. Donc, j'ai jamais fait le milieu. Voilà. Je suis venue sur mes papiers retravailler avec des tampons et la Versafine de... Enfin, oui, la Versafine, la Vintage Photo en oxy. Pardon. Ben voilà, je vais jouer avec tout ça. Ici, j'ai créé pour mettre des mini photos. Ce seront mini de chez mini, hein, vous voyez. Mini. Tous les pochoirs AB et les tampons de la boutique. Ça aussi, c'est un pochoir AB. Voilà. Donc, où je viendrai mettre une photo, je viendrai mettre mon petit journal. Donc, j'ai fait un petit système. Vous voyez, j'utilisais les anneaux, mais j'ai fait des petits systèmes, j'aime bien. En fait, l'enveloppe ne sert pas qu'à tout fermer. Il y a la petite file qui vient fermer toute la page. Hop, je vais un peu me décaler. Vous voyez, ça c'est les pages AB Studio que je vous disais. Je suis venue travailler donc maison, comme je vous ai montré. Ça c'est le petit jeune journal de la collection. Voilà. Vous voyez, c'est beau. Ça donne un petit peu de peps. La même chose, là, c'est une petite déco de la... De la planche AB Studio. Tout ça, c'est les Junk Journal des papiers. Ça, c'est la même chose. C'était Junk Journal. Là, les photos sont très grandes. Ça fait partie des Junk Journal de la collection.
Voilà. Là, c'est une bête planche, bête papier que j'ai accommodé moi. Tout ça pour mettre des grandes photos. Moi, ce sera sous le thème du jardin, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai vraiment joué avec les photos et les embellissements de la collection. J'ai vraiment flashé dessus. J'ai agrémenté des papiers AB et la sliver parce que je trouvais que ça donnait de la lumière. Et puis bon, fallait essayer en plus. Hein, donc, ma chef que m'a donné, donc j'ai dû tester, c'est inévitable. Alors oui, ma ficelle est un petit peu courte, hein, je vous l'accorde. Mais je n'avais reçu que ce petit morceau-là dans mon calendrier de l'avant. Donc j'ai fait avec. Hop là, on bouche. Donc faites attention quand vous montrez votre mini pour le sens des pages. Donc ici, c'est de nouveau une petite enveloppe, c'est du Voyageur Journal. Là, ça fait partie des papiers. Et vous voyez, j'ai retravaillé chaque fois. Hein. Les papiers font 15-15, donc vous voyez, j'étais jusque là et puis j'ai rajouté mes bon. Ça, c'est ce que je vous disais, les petits ronds de la collection. Hop là, je remonte. Alors, ici, la même chose, cette petite étiquette. Ici, vous avez les petits tags qui sont cachés derrière, tout simplement de la collection. Voilà, ben, je vais vous montrer. Donc, en fait, joué des deux côtés, donc ça c'est l'horloge, des bêtes d'ice, des petits bouts de papier, n'importe, et en fait les photos viennent se glisser entre les deux. Voilà, et ici je peux mettre une grande photo sur l'autre page tout simplement. Voilà, vous voyez, tout est caché, on va dire, sans lettres. Ici, même chose, je vais m'amuser avec tout. Tous les dice ne viennent pas de la boutique, mais il y a beaucoup qui vient quand même de la boutique. J'espère que vous voyez bien. Là, c'est juste des petites cartes. De la collection même. Toujours venu m'amuser avec tous les motifs de la collection, je les ai trouvés tellement beaux. Vous avez vu ces petits oiseaux, il était magnifique quand même, franchement, c'est dommage de s'en priver. Alors, hop là. Alors ici, c'est la même chose en fait. Vous allez dire, ça sert à rien, ça ouvre rien. C'est vrai, ça ouvre rien, je suis d'accord avec vous. Ça ouvre rien. Ici, c'est juste de la déco. Et une petite clapette pour mettre des photos. Mais en fait, ça vient fermer toute ma page. J'aime bien faire le style d'album, ça. Voilà. En fait, c'est cette page-ci qui est la plus simple de tous. Ici, la même chose. Je suis venue jouer avec des papiers, tout simplement, et des petites junk journal. Donc, je vais compter une collection 15-15, les junk journal. Et deux planches de découpe, donc on doit pas être à tellement beaucoup, on va dire 20-30 euros l'album, vu que bon, faut quand même les attaches pour les deux couvertures. C'est pas, ouais, c'est pas tellement cher en fait. Voilà, ils sont magnifiques. Enfin, moi les fleurs de manola, j'aime bien aussi en plus. Donc, c'est vraiment une collection pour moi. Alors, ma dernière page, un peu spéciale. En fait, ça, c'est un junk journal. Ça, vous voyez, il me reste un tout petit bout de colle. De corte, de colle. Je suis venue jouer avec des tacs. Ils ne servent pas à grand-chose, mais en fait, c'est eux qui tiennent toute la page fermée. J'aime bien faire ça. Voilà. Vous voyez, la page qui est fermée à cause d'eux. Ça ne s'est pas s'ouvrir. Je mets mon doigt dedans. Voilà. C'est mon petit système de fermeture. Caché. Donc là, vous avez pour mettre une photo des deux côtés. Et oui, c'était bien caché. Là, vous avez pour une grande photo. Et ici, vous avez pour mettre des petites photos. Voilà.
Si vous n'avez pas assez de papier, vous jouez avec vos papiers de livres. C'est tout simple. Donc on ferme comme ça, on ferme comme ça. Et on vient mettre la fermeture. C'est marrant de jouer avec des autres fermetures. J'aime bien, les gens cherchent toujours. Sylvie aussi d'ailleurs, elle cherche. J'aime bien moi. C'est marrant, je trouve. Je suis pas sympa. Mais... Donc l'avant-dernière page. Et vous voyez, tout ça vient de la planche d'AB Studio. Aussi bien les mocs que les feuillages, que les horloges, les papillons. Hop, ça s'est tombé. Okay, ici, les feuillages, le nouveau, les trucs. Ici, j'ai fait tout simple. Parce que je savais que j'étais très très court. Donc c'est juste pour mettre deux photos. Et en fait, ça, c'est toutes les chutes de papier que j'ai remis ensemble pour faire un papier. Donc je sais que là, je ne devrais pas mettre une grande photo parce qu'il me faudra de quoi, la place pour pouvoir mettre mes doigts pour le réinsérer en fait dedans. Je suis désolée, je suis un petit peu courte, je vous mets ça en l'air, mais voilà. Donc voilà, tout l'album. Voilà, je vais prendre l'appareil photo, comme ça vous voyez tout le déroulement. Donc de la couverture, on monte, on arrive au pli. À la couverture, enfin la base de toutes les pages. Donc je vais refermer les pages. Voilà, hop là, c'est la seule qui n'est pas fermée évidemment. Voilà, donc vous avez ça, puis vous avez le deuxième morceau et vous avez enfin votre couverture finale. Et voilà, et l'album est refermé. Je vous remets au-dessus. Et donc pour le refermer, on prend son petit élastique tout simplement. On tire dessus et on vient le mettre là. Voilà. Et vous voyez, fermé, il tient debout. Hein. Je vous l'avais dit. Voilà, votre album est fait. Tout simplement. J'espère qu'il vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré cette collection. Elle est magnifique. J'ai adoré ces papiers-là. C'est une tuerie. Je vous ai montré en live. Donc, allez voir en live. Mais c'est une tuerie, franchement. Il y a la même 7 en doré. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ben oui, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bisous les filles, à bientôt.